Rimpa Siva a 13 ans et vit en Inde. Son père lui enseigne les tablas. Il n'est pas seulement son professeur, il est son gourou, c'est-à-dire son maître spirituel. Calcutta est une des villes les plus peuplées du monde. Calcutta est pauvre, mais sa grande richesse, c'est d'être la capitale indienne des arts. Rimpa connaît déjà la magie des rythmes des tablas. C'est son père qui lui a tout appris. Avec lui, Rimpa doit bien sûr apprendre la technique et le répertoire, mais aussi être prête dans sa tête pour aller toujours plus loin. Rimpa veut être musicienne, et c'est un choix pour la vie entière. Un jour, quand Rimpa était encore toute petite, elle a mis une main sur son cœur et elle a découvert que lui aussi jouait des tablas, sans jamais s'arrêter, même quand elle dort. Depuis, Rimpa veut faire pareil. Ce que Rimpa préfère, c'est découvrir le rythme avec son père. C'est en écoutant qu'elle apprend les règles de la musique classique indienne, car dans son pays, on n'écrit pas la musique sur du papier. Rimpa travaille ses tablas plusieurs heures par jour, mais ce qu'elle attend,
c'est le jour où son père l'autorisera à jouer devant un public. Ce jour-là, Rimpa devra émerveiller les spectateurs. Elle devra les envoûter. Rimpa voudrait que son père lui donne cette chance de prouver qu'elle en est capable. Now? Rimpa, sí. Rimpa. ¿Tú hablas vayas? Sí. Ay. ¿Vale vaya? ¿Vaya bien? Sí. Macho. Tout le monde respecte le gourou Shankar. Lui voit tout de suite ce qu'un élève est capable d'apprendre. Pour lui, Rimpa est prête pour une nouvelle étape. Shankar organise souvent des concerts. Il en propose un au père de Rimpa, son gourou, qu'il accepte. C'est un très grand honneur pour sa fille et lui. Rimpa jouera donc bientôt en public. তাহলে রিম্পা তোমার জীবনের প্রথম প্রোগ্রাম কালকে Rimpa doit savoir que sa première rencontre avec le public est décisive. Aujourd'hui, elle est un peu comme un poussin bien à l'abri dans son œuf. Mais tous les poussins doivent un jour briser leur coquille. Parce que le véritable but de l'oiseau, c'est de voler. Le père de Rimpa s'est lui aussi préparé depuis plusieurs semaines. Pour elle, il a fait fabriquer son tout premier jeu de tabla. Des tablas bien à elle. De père en fils, et depuis très longtemps, les artisans sont les complices indispensables des artistes. Ils savent comment faire sonner cette peau d'animal, sur laquelle ils fixent une pastille noire, faite de poudre de métal et de grains de riz. Ils lui ont dit que ces tablas savaient chanter et que ça lui porterait bonheur. Comment l'as-tu, hein?
Ganesh est le dieu enfant de la sagesse et du succès, celui qui lève les obstacles. Comme beaucoup d'Indiens, Rimpa s'adresse à Ganesh avant d'entreprendre quoi que ce soit. Rimpa est préféré parmi les milliers de dieux hindous. Il y a Shiva, le dieu du temps. Il y a Saraswati, la déesse de la connaissance. Et bien sûr, Ganesh qui peut l'aider à être à la hauteur de son premier public. Rimpa voudrait pouvoir toute sa vie accompagner la musique des dieux, celle qui naît à travers le chant des hommes. কত যাচ্ছিস?